It's not only my dreams. My belief is that all these dreams are yours as well. And the only distinction between me and you is that I can articulate them. And that is what poetry or painting or literature or filmmaking is all about. It's as simple as that. And I make films because I have not learned anything else. And I know I can do it to a certain degree. And it is my duty, because this might be the inner chronicle of what we are. And we have to articulate ourselves, otherwise we would be cows in the field. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 7. Cette semaine, émission grosse chaleur, romantisme et coup tordu. Comme un volcan devenu vieux, notre cœur bat lentement la chamade. La lave tiède de tes photogrammes coule dans nos veines malades. On pense si souvent à toi que notre raison en chavire, comme feraient des barques bleues et même les grands navires. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Julien Clerc. Donc nous allons parler de volcans à l'occasion de la diffusion sur Arte depuis quelques semaines du film de Werner Herzog. Donc... Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Krafft, donc qui est sorti depuis un mois et demi à peu près sur Arte. Puis après, nous parlerons d'un panachage de sorties, notamment de films français dernièrement dans les salles. Donc L'Innocent, réalisé par Louis Garrel, et L'Origine du mal, réalisé par Sébastien Marnier. Et je parlerai d'un livre édité aux éditions de la Table Ronde récemment sur du chef opérateur et théoricien de la lumière, Henri Alekan. Et pour parler de ce jeu, pour avoir autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, puisque pour le moment, je suis seul autour de cette table. Le docteur Erwan devrait arriver sous peu, et Thibaut est piégé chez lui par ce que l'on appellerait des problèmes domestiques, donc c'est-à-dire un enfant malade et des robinets qui fuient. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Mais donc, heureusement, à la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc n'hésite pas à intervenir durant la première partie de cette émission si jamais je me sens un peu trop seul. Donc voilà, c'est l'effort sans présence, mais donc Erwan devrait arriver normalement sous peu. Il vient de quitter son travail exprès pour nous rejoindre, quelle chance heureuse. Et donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques agendas. Un saut de merde, docteur. Il va jeter un saut de merde en pleine figure. Alors les agendas local, et donc vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine, donc c'est Halloween, et oui, c'est la fête des morts, c'est la Saint-Main, tout ça, blablabla, on s'en fout, mais donc il y a plusieurs événements à Rennes autour de cette fête païenne, et donc c'est aussi la semaine des vacances universitaires, et donc ce sera la séance du ciné-tambour avant la pause d'une semaine, avec une soirée Sortez les griffes, donc spécial Halloween aussi évidemment, avec à 18h30 Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, donc le long métrage des studios Hartmann, le formidable film d'ailleurs, amenez-y vos enfants, et même si vous êtes plus grand, vous pouvez y aller, car c'est un chef-d'œuvre du film en stop motion, sorti maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. Je me rappelle, je l'ai vu à l'époque en salle, mais film que je n'ai pas vu en salle à l'époque, mais que j'aurais bien aimé quand même. Donc à 20h30, toujours au tambour, ça sera Batman le défi, aka Batman Returns, l'un des meilleurs, voire l'un des seuls bons films de Tim Burton, voilà, film de 1992, donc la suite de son Batman de 1989. Sinon, ce sera lundi ou mardi prochain, je ne sais plus, mais bon, dans le cadre d'Halloween, du coup, c'est probablement le 1er novembre, parce qu'en plus, c'est férié, donc il y aura toute une journée Halloween à la revoir, avec plein de films pour les petits et pour les grands, et notamment le soir, il y aura Le Hurlement de Joe Dante qui passera. Voilà, et l'Arvor, qui dans 2 semaines, exprès pour nous faire chier, donc mardi, dans 2 semaines, à 18h15 ou 19h15, je ne sais pas, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas clairs sur leur event. Ils vont repasser dans le cadre de leur film Monumental, ils vont repasser donc « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone. Donc voilà, ils passent ça exprès, pile pendant notre émission, exprès pour qu'on ne puisse pas y aller. Merci les gars, mais donc si vous avez la chance d'aller le voir ou le revoir, la version longue restaurée de 2016 de plus de 4 heures, donc il passera au cinéma Harvard dans 2 semaines. Et sinon, on en reparlera aussi du coup les prochaines avant que l'événement ne se passe. Le 12 et 13 novembre à Rennes, organisé par l'association 97 mm au bar de l'Overlook, donc sur la dalle des Horizons. Il y aura leur mini-convention cinéphile avec plusieurs éditeurs qui seront présents, notamment ceux de Rimini et nos camarades parisiens, donc que de Spectrum Film qui seront présents. Et nous ne manquerons pas d'aller les voir et de les soumettre à la question. Et toujours avec Spectrum Film, le jour précédent, donc le 12, il y aura une projection à l'Arvor le soir de Ebola Syndrome de Hermagno, dont on a parlé ici il y a quelques semaines. Là, pareil, amenez vos belles-mères et vos enfants. Ça va être un grand plaisir, je pense, de voir ou revoir ça sur grand écran. Donc voilà, ce sont les principales émissions. De toute façon, c'est les vacances, hein, donc là, il ne se passe plus grand-chose, hein, on va attendre Noël. Et sinon, donc, dans les 2 prochaines semaines, les sorties, puisque la semaine prochaine, nous ne ferons pas d'émission en direct, ce sera la diffusion de la 2e partie de notre entretien avec FJO 100 que nous avions réalisé en septembre dernier. Donc ce sera la 2e et dernière partie. Mais donc en attendant, il y a plein de choses qui vont sortir. Je dis des bonnes choses, pas forcément, parce qu'il y a notamment dès demain Plancha, la suite du film Barbecue, donc avec Lambert Wilson, Jérôme Commandeur, Franck Dubosc, Guillaume de Tonquédec, qui se passe en Bretagne en plus, hein, donc Cocorico. Donc voilà la suite plus de 10 ans après avec le film Barbecue, dans ce sous-genre dont nous sommes très friands, enfin pas forcément friands parce que les films se plantent, mais en tout cas dont la comédie française est friande visiblement, donc elle... ce sous-genre du film de vieux copains, des amis de 20 ou 30 ans qui se voient pour un week-end, qui s'engueulent, qui s'aiment, qui se rendent compte qu'ils sont tous comme un sacré paquet de trous de balles, mais bon, comme ils s'aiment parce qu'ils sont amis. Donc voilà, souvent des belles leçons d'humanité. Mais du coup, c'est plus proche des petits mouchoirs ou de camping? Plus proche de camping quand même, plutôt, ouais, un peu pour l'ambiance. Oui, voilà, un peu plus pour l'ambiance, un peu plus détendu. Bah, y a Franck Dubosc, voilà, c'est comme... c'est pas autant des connards non plus que chez Guillaume Canet, hein, mais c'est... c'est quand même pas, c'est quand même globalement pas terrible. Récemment, j'ai vu Champagne, qui est un même avatar du genre, avec Stéphane de Groodt et le terrible François-Xavier Demaison. Donc c'est abominable. On peut le dire, on peut le dire. En plus, ça se passe en Champagne, c'est dire, c'est mon intérêt qui était comme assez émoussé. Déjà. Ils sont allés loin dans l'originalité. Exactement. Ah, mais c'est souvent des films avec Auteuil, avec Gérard Jugnot, qui s'appelle Amis, Entre Amis, Nous étions amis, tout ça. Et à propos justement aussi de gens désagréables, il y a demain le nouveau film de Nicolas Bedos, Mascarade, avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani et plein de gens qui hurlent dans la bande-annonce. Visiblement une histoire un peu terrible de faux-semblants, de doubles, tout ça. C'est dire si on n'a pas vraiment envie de voir ça. Il y a aussi le nouveau film de Lucas Donte qui s'appelle Close, qui suit dans l'Est de la France, donc déjà c'est pour ça que ça démarre mal, donc sur 2 meilleurs potes qui ont 12 ou 13 ans, et puis... les gens commencent à se demander, ils sont tellement copains-copains que finalement, est-ce qu'ils ne seraient pas un peu plus que copains-copains, et donc du coup, ça commence à les perturber, tout ça. Un film de France Culture, et donc a priori une belle histoire d'humanité. Sinon, un film qui, pour le coup, a l'air bien, c'est La Conspiration du Caire, film égyptien, polar, donc par le réalisateur du Caire Confidentiel, qui était sorti il y a 3 ou 4 ans, qui est un excellent film. Et donc ça sort demain aussi, notamment à l'Arvor, donc hâte de voir ça. Il y a le nouveau film de Patricia Mazui, qui ne tourne pas des masses, mais dont les films sont toujours chouettes, qui s'appelle Bowling Saturne. Sinon, un film d'une ancienne gloire du cinéma indépendant américain dont maintenant, visiblement, on n'a plus rien à foutre parce qu'il a arrêté de faire des bons films. C'est David O. Russell qui sort son nouveau film Amsterdam avec Christian Bale, dont le dernier film American Bluff en français était passé aussi un peu inaperçu. En même temps, c'était pas terrible. Après, quelques gros succès quand même dans les années 2000 comme Les Rois du désert. Voilà, un garçon plutôt compétent, mais dont les sautes d'humeur ont visiblement eu raison de son succès, tellement il est désagréable. Il y a un documentaire qui sort demain aussi de Patricio Guzman, réalisateur chilien, qui s'appelle Mon Pays imaginaire sur toutes les suites de la chute du régime de Pinochet dans les années 70. Donc ça promet, c'est un excellent documentariste. Sinon, il y a un film qui porte visiblement bien son titre qui s'appelle Super Z, qui serait une genre de série Z avec des zombies, avec le terrible Julien Courbet, pas le mec qui fait de la télé, mais l'acteur minable de la fin des années 90 de la comédie française, notamment dans Le Ciel, Les Oiseaux et Ta Mère, mais qui avait quand même débuté dans Les Anges Gardiens de Jean-Marie Poiré quand il avait 12 ou 13 ans. Donc ça, c'est quand même pas mal. Malheureusement, le petit Julien, tellement il est insupportable, n'a pas confirmé dans les suites de sa carrière. Il y a la semaine prochaine un film d'horreur qui se bat d'une excellente réputation. Ça se demandait pourquoi, parce que les précédents films du mec étaient quand même pas terribles. Donc de T-West avec un film qui s'appelle X. Donc voilà, qui se balade, qui se tape une excellente réputation depuis plusieurs semaines, à vérifier ou pas. Sinon, dans le cadre de ce qui est désormais la 13 novembre exploitation, il y a un nouveau film qui s'appelle Vous n'aurez pas ma haine avec Pierre de la Longchamp, donc sur quelqu'un qui était aux attentats du 13 novembre et qui a donc un PTSD, comme on dit, et comment se reconstruire après les attentats, après Revoir Paris avec Virginie Efira, après Novembre de Cédric Jiménez, dont on n'a pas parlé ici et qui pourtant mérite clairement le détour, ne serait-ce que pour mieux l'éviter. Et il y a aussi bientôt une série espagnole qui va traiter de tout ça. Donc vraiment, on est comme les Américains, là, on est super bon pour traiter de nos sujets traumatiques. Et pour finir, il y a un film que j'ai noté uniquement pour le challenge de dire le nom du metteur en scène, car donc Happy Chapong, Veracetacul, c'est beaucoup trop facile à dire. Donc là, c'est Le Serment de Pamphire de Dmytro Sukholitsky Sopchuk qui sort. Voilà, mot contre triple, je vous défie d'écrire son nom sans avoir un dictionnaire sous les yeux, parce qu'en plus, pour être un malin, dans son nom de famille, il y a quand même 3 Y, mais qui ne sont pas placés aux endroits auxquels on pourrait s'attendre. Donc voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, à part qu'apparemment c'est pas mal et que l'affiche est jolie. Car oui, je suis très consciencieux, j'ai bien fait mon travail. Ouais, c'est quand même un programme dense que tu proposes. Oui, bah, c'est pour les 2 prochaines semaines. Oui. Après, les gens peuvent prendre dedans. Personnellement, j'aurais plutôt voir La Conspiration du Caire. Hein, c'est la chose qui m'attire le plus. Et puis Plancha, bien évidemment. Mais ça, c'est juste par complétisme Franck Duboscien. Oui, parce que ça peut être chargé et il n'y en a pas beaucoup qui retiennent forcément l'attention. Voilà. Il y a quelques petites choses à voir, hein, si vous voulez aller dans les salles. Apparemment, ils n'arrêtent pas de se plaindre que c'est dramatique, qu'il n'y a plus personne qui va voir les films, tout ça, machin. C'est peut-être la programmation. Voilà, mais ça dépend des sorties, ça dépend des mois. À chaque fois, quand je suis allé voir Dragon Ball, par exemple, au cinéma, le dernier Dragon Ball, il y avait du monde, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, finalement, il faut que les gens arrêtent de se plaindre. Voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Donc voilà, on va passer à la section critique de cette émission. On parlera du film de Werner Herzog en deuxième partie, mais donc tout de suite, on va voir Que seule la nuit est en couleur. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le groupe Bakounine avec Seule la nuit est en couleur. Bakounine, excellent groupe de punk crust français basé notamment dans les Monts d'Arrée. Et oui, nos régions ont du talent et qui sortent normalement un nouvel album un peu avant le printemps prochain, enregistré en 2 jours dans des conditions totalement destroy. Donc ça promet un disque absolument, une fois de plus, fabuleux. Et donc Seule la nuit est en couleur, ça n'a aucun rapport des choses avec dont on va parler maintenant. maintenant faire un petit panachage de deux sorties de films français de ce mois-ci, donc de films français, et oui, et plutôt deux bons films d'ailleurs. On va commencer avec L'Origine du mal de Sébastien Marnier, qui est sorti il y a 3 semaines, film avec Laure Calamy, Dora Tillier et Jacques Weber, que je confonds toujours avec Francis alors que ça n'a rien à voir. Et qui donc, comme a été décrit plusieurs fois dans nos amis de la presse professionnelle et nationale, comme un film chabrolien, car effectivement, il y a par bien des égards et des aspects, on pourrait rapprocher le film des métrages de Claude Chabrol de par son cadre et la manière qu'il a de mener sa narration, car donc ça nous parle d'une femme interprétée par Laure Calamy qui décide, après plusieurs années, après avoir retrouvé son père qu'elle n'a jamais connu, de le contacter, de voir un petit peu à quoi il ressemble avant sa mort, enfin avant que peut-être potentiellement lui il passe l'arme à gauche, car il est vieux. Et donc cet homme est incarné par Jacques Weber, industriel et chef d'hôtellerie qui habite sur une île dans la mer Méditerranée, alors que le docteur Erwan vient de me rejoindre. Bonsoir docteur, il vous fait des coucous. Bonsoir. Et donc elle décide d'aller le voir, et là elle va voir qu'en fait la famille de Jacques Weber, donc plutôt sa famille et sa belle-famille, sont tous totalement fucked up, parce que tout le monde déteste visiblement le vieil homme qui apparemment se serait comporté comme le dernier des fils de pute avec toutes les dames de la maisonnée. Mais elle va apprendre au fur et à mesure qu'en fait c'est peut-être plus complexe que ça, et que pourquoi est-ce que tous ces gens se détestent aussi ostensiblement un Erwan? Pourquoi est-ce que tous les gens se détestent dans la vie? Parce qu'ils sont méchants. Exactement, les gens sont méchants, et la jalousie rend méchant, comme disait Casero dans La Whoopie Machine. Voilà. Et c'est un vilain défaut. Exactement, exactement. Oh, je vois qu'on a affaire à un mélomane. Ah. Et donc, Laure Calamy déboule là-dedans. Et donc, effectivement, de par le cadre, et on va dire son projet narratif, ça se rapprocherait par bien des côtés du cinéma de Claude Chabrol. Le côté très vénéneux de la grande bourgeoisie, des non-dits, des choses cachées, des relations un petit peu comme ça, un peu perfides, d'autant que Laure Calamy elle-même entretient une relation avec une dame interprétée par Suzanne Clément, qui est emprisonnée. Donc les relations, au fur et à mesure qu'elle va se rapprocher de celui qui est son père, les relations avec sa compagne vont donc se crisper de plus en plus. Évidemment, ça va partir en sbeul tout ça. Et c'est vrai que donc, le film a des côtés chabroliens par bien des aspects, et donc plutôt d'ailleurs dans ses meilleurs aspects, parce que la narration est vraiment très bien menée. Il y a une finesse d'écriture et un certain caractère croquignolesque et méchant des personnages qui fonctionnent extrêmement bien, dans une facture visuelle et une production design tout à fait soignée, ce qui fait quand même plaisir d'avoir des films de cette qualité française, on dira dans un contexte contemporain. Donc un côté chabrolien, mais qui se détache quand même par bien des aspects, parce que Marnier étant quelqu'un de doué, mais qui n'a pas non plus encore tout le professionnalisme et le savoir-faire. C'est pas encore un grand Marnier, quoi. Non, exactement, ce n'est pas un grand Marnier encore. Mais peut-être dans ses prochains, parce que le garçon grandit de film en film. Et donc, notamment dans, on va dire, la conclusion de son film, en tout cas dans les 20 dernières minutes, qui, je trouve, sont clairement en trop, qui déjà appesantit le rythme du métrage, que le film fait quand même 2 heures bien tassées. Il serait fait une petite 1h45, ou d'ailleurs au bout d'une 1h45 du film, il y a déjà une sorte de résolution qui fonctionne beaucoup mieux, à la fois en termes dramatiques et en termes de mystère potentiel et de fin ouverte, justement, qui colle beaucoup plus avec le reste du projet de son long métrage, alors que tout le reste est plutôt très bien tenu, malgré quelques dialogues qui parfois ont tendance un peu à surexpliquer, comme s'il n'avait pas assez confiance dans sa mise en scène pour justement qu'on comprenne bien toutes les relations un peu distendues entre les personnages, ce que je trouve un peu dommageable, alors que jusque-là le film quand même fonctionne plutôt hyper bien comme un thriller familial vénéneux, justement, avec un Jacques Weber qui en patriarche de la famille est vraiment mortel. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Jacques Weber jouer dans un film tout court, hein, que ce soit au cinéma ou autre. On voit que comme le garçon a plus de 70 ans passés, garde vraiment une assise de patriarche, pour le coup, qui fonctionne extrêmement bien dans le cadre de cette famille, où tous les membres féminins sont tous plus veules les unes que les autres, mais qui pour le coup ont des raisons d'être veules. C'est-à-dire que ce ne sera pas purement gratuit si tout le monde se comporte comme des grosses salopes, quoi. C'est-à-dire que la plus grosse salope, c'est peut-être justement le patriarche. Donc L'Origine du mal de Sébastien Marnier qui est sorti en salle il y a 2 ou 3 semaines. Et autre film français de qualité et de manière d'ailleurs assez étonnante, donc c'est L'Innocent de Louis Garrel qui est son dernier film, c'est son 3e ou 4e long métrage je crois. Et Louis Garrel qui pendant toute la promo du film s'est efforcé de dire que ce n'était pas un film d'auteur, attention vous allez voir, vous allez rire, c'est vraiment une comédie, comme si les deux n'étaient pas compatibles. Mais là pour le coup notre bon gars Louis qui est un acteur qui au fur et à mesure des années a quand même tendance à épaissir ses prestations, donc c'est-à-dire qu'il quitte clairement ses rôles de minet triste à mèche triste, qui dont à la fois à cause des films de son père. Son rôle de Garrel, quoi. Voilà, son rôle de Garrel, enfin, de la famille Garrel. Parce que donc, il a débuté dans les films de son père, Philippe Garrel. Et il a aussi beaucoup tourné dans les films de Christophe Honoré à ses débuts, ce qui, effectivement, a contribué à beaucoup coller à cette image de bobo parisien, triste, riche, qui se fait chier, mais qui, en même temps, est super beau et qui se tape que des meufs bonnes. Et donc là, Louis, clairement, il veut essayer de se départir de l'image un petit peu qu'on lui a donnée. Un peu comme Pierre Ninet aussi, voilà, qui commence aussi à aller explorer des trucs plus genrés, on va dire. Exactement, et beaucoup plus intéressant. Genresque plutôt que genré. Et donc là, Louis, pour bien marquer sa différence avec papa qui ne tourne qu'à Paris, est allé tourner à Lyon. Et à l'Océanopolis de Brest. La ville où a été tournée Parole de flic. Oui, grande ville de cinéma. Oui. Mais ce qui d'ailleurs en termes de géographie était étonnant parce que pendant le film on voit clairement que le film se passe à Lyon et il bosse dans des grands accords. Je dis mais c'est marrant mais il n'y a pas ça à Lyon, on dirait Brest. Et effectivement c'est l'Océanopolis de Brest, un super musée, donc allez-y. Mais donc en termes de géographie on va dire qu'on va jouer la suspension d'incrédulité. De géographie fictionnelle. Exactement, la psychogéographie peut-être. Et donc de quoi que ça cause. Donc c'est à la fois une comédie et un polar, donc où Louis Garrel interprète le fils de Anouk Grinberg qui fait sa deuxième apparition de l'année au cinéma après La Nuit du 12 où elle était déjà formidable. Et donc là c'est toujours un grand plaisir de revoir Anouk Grinberg sur grand écran, qui donc a épousé un taulard incarné par Roche Dizem, dont c'est le 22e film de l'année à peu près. Et donc lui se dit ouais, quand même encore aller se marier avec un polar, ça va avec un taulard, ça va encore partir en sucette, machin, je sais pas, nanana. Pendant que la meilleure copine de Louis Garrel, incarnée par Noémie Merland, lui dit de arrêter de se prendre la tête comme ça. Au bout d'un moment il commence à nous faire chier et c'est pas parce que ta femme est morte il y a 5 ans qu'il faut déprimer comme ça non plus. Et donc sur ce canevas là en fait il va avoir que Roche Dizem planifie un braquage d'un camion sur une aire d'autoroute pour récupérer du caviar d'Israël. Donc évidemment pour éviter que ça parte en sucette et que sa mère soit triste, il va décider de l'accompagner dans ce braquage, mais évidemment quiproquo, situation qui dégénère, coup double, tout ça va partir un petit peu en sucette. Et donc sur ce canevas de comédie policière, je trouve que Louis Garrel pour le coup réussit totalement son coup, même s'il braconne clairement sur les terres de Pierre Salvadori. J'étais en train de me dire que ça me faisait penser à quelque chose d'assez salvadorien, effectivement. Voilà, donc à la fois dans ce mélange des morts, dans ce mélange des genres. T'es fatigué, toi, aujourd'hui, hein. Tu fais du lapsus à répétition. Donc dans ce mélange des genres, ce mélange entre... Mélange tes morts. Voilà, mélange tes morts, voilà. Mélange tes genres et mélange tes morts, quoi. La calotte de tes morts. Donc à la fois donc, les films de Pierre Salvadori, donc, notamment dans le dernier... En liberté, mais pas seulement dans son avant-dernier d'ailleurs. Mais même si la partie polar est un peu plus brinque-ballant, qui est un peu plus acabratabrantesque, c'est-à-dire que ça aurait pu être un peu plus tenu ou un peu plus réaliste de ce côté-là, je trouve que tout le reste fonctionne admirablement. À la fois le film n'est pas donc une comédie où tu te tapes sur la cuisse parce que haha machin c'est trop fort, c'est hyper génial, mais c'est vraiment drôle quand ça veut être drôle, ça joue extrêmement bien, y compris Garrel qui se met quelques petits taquets à lui-même en disant qu'au début quand il a commencé comme il était un peu à chier quoi, et finalement que maintenant il commence à prendre un petit peu de cœur, c'est intéressant, et surtout de vraies scènes d'émotion, notamment entre Grimpère et Zem et entre Garrel et Noémie Merland qui fonctionnent extrêmement bien. Et le film qui aussi pour le coup est d'une facture visuelle je trouve assez qualitative, donc il y a vraiment un vrai travail sur la photo, notamment sur la photo de nuit, sur les éclairages pour donner un véritable côté polar urbain qui glisse de toute façon visiblement évidemment plus du côté des polars américains que des polars on va dire de la tradition française, ce qui est plutôt d'ailleurs pour un bien parce que il arrive vraiment à bien se démerder en termes de réel, c'est pas forcément fou mais c'est plutôt solide. C'est son 3e long métrage, je crois, son 3e ou 4e. Faut lui accorder voilà. Aussi le bénéfice de la jeunesse. Après avoir commencé donc lui aussi avec que des comédies de copains, des trios amoureux, des machins comme ça, donc un truc visiblement très garélien, visiblement. Donc là, il se détache de plus en plus, on va dire, du lourd héritage paternel, enfin même de l'héritage de la famille Garrel de manière générale, parce que son grand-père, l'excellent Maurice Garrel, était comédien lui aussi, comédien à mèche, hein, c'est quand même un truc de famille. Et donc là, il arrive vraiment à se démarquer de ça et pour en faire vraiment une véritable, vraie bonne comédie policière qui, en plus, visiblement, marche très bien en salle. Donc, comme quoi, fort bien alors que voilà, le peuple. Comme quoi le cinéma français se porte bien. Donc, pour moi, pour le coup, ça me rend assez curieux de voir la suite des travaux de Louis Garrel, à la fois comme comédien, parce qu'il commence lui-même à faire des trucs un peu différents, même s'il continue à tourner avec les copains. Là, par exemple, il tourne dans le prochain film de Bonello. Donc voilà, comme quoi on ne se refait pas non plus. Il a toujours une petite mafia de cinéma. C'est pas Guillaume Canet et Pierre Gilles Lelouch, quoi. Ça va, quoi. T'as vu la nouvelle bande-annonce de Astérix Obélix? Je commenterai pas. Voilà. Je sais que j'irai pas voir le film. Ah oui, j'aime trop Astérix pour ça. Ah oui, moi pareil, ça sera sans moi. Même en téléchargement, je pense que ça me fera chier. Me dire que Christian Clavier était probablement plus crédible en Astérix que Guillaume Canet, ça donne la mesure des choses, quoi. Ah bah écoutez, voilà. On a la génie qu'on mérite, hein. Donc voilà L'Innocent de Louis Garrel, et je parlais de sa très belle photo, ce qui me fait un passe-plat pour parler d'un film édité, d'un film, troisième lapsus, d'un livre, oui, pardon, parce qu'il y a des pages et des mots dedans, donc édité aux éditions de la Table Ronde, en coédition avec la Cinémathèque française, donc livre de Henri Alekan, Des Lumières et des Ombres. Il y a 2 ou 3 ans, les éditions de la Table Ronde avaient fait paraître un autre livre de Henri Alekan, Le Vécu et l'Imaginaire, qui a été une autobiographie où Alekan parlait de tout son parcours de directeur de la photographie, puisque c'est un des chefs opérateurs les plus... Grand chef opérateur. Un des plus importants de l'histoire du cinéma français, qui a quand même plus de 60 ans de carrière, qui est décédé en 2001, qui a fait ses premiers travaux en 1936. Il était assistant de Eugène Chuftan, puis après il a bossé avec les grands metteurs en scène français, notamment avec Cocteau, avec Renoir. Donc il a dû bosser sur Quai des Brumes, sur Quai des Brumes, du coup. Il a bossé avec Carnet, donc sur Quai des Brumes. Après il a une carrière internationale avec Lauzet, avec Wim Wenders, notamment sur Les Ailes du Désir. Et donc Des Lumières et des Ombres, c'est la réédition augmentée de cet ouvrage qui était paru en 1984 et qui est un véritable traité, un essai presque philosophique sur la lumière, donc dans les arts de manière générale, mais donc surtout sur le cinéma, où il va faire des rappels et des retours constants avec l'histoire de l'art, donc que ce soit en termes pictural avec la peinture, mais sur une bonne partie quand même de l'histoire de la peinture, avec la photographie. Et donc c'est un traité, on va dire, d'esthétique et d'éclairagisme plus que véritablement un livre technique, même s'il y a beaucoup de choses très techniques qui sont montrées dans le bouquin, notamment parce qu'il y a beaucoup de ses plans de travail, comment est-ce qu'il éclaire une scène, à la fois selon les volontés du metteur en scène et selon ses volontés à lui, où il explique très bien que selon les films et selon les metteurs en scène, c'est la lumière qui va dicter la mise en scène, ou parfois c'est la mise en scène qui va dicter l'emplacement de sa lumière. Comment est-ce qu'on s'adapte, avec évidemment des metteurs en scène qu'on va dire des manières de faire assez différentes, comme par exemple des mecs comme Wim Wenders qui sont très préparés mais qui souvent au dernier moment décident de chambouler tout le plan de travail ou bien le lieu où ils vont tourner, ce qui oblige le chef opérateur à tout revoir absolument. Et puis qui ont parfois des habitudes avec d'autres chefs op, voilà, notamment Wim Wenders avec Robbie Muller. Qui est un des plus grands chefs opérateurs du monde, Robbie Muller. Jim Jarmusch aussi. Voilà. Et donc dans ce film-là, il retrace quasiment un siècle de cinéma, puisqu'il parle à la fois de l'éclairage dans les films du muet, après avec l'arrivée du parlant, avec l'arrivée de la couleur, et donc d'autant qu'en plus que Henri Alekan, au moment évidemment de l'arrivée de la nouvelle vague, il avait été vu un peu comme un ambassadeur du cinéma de la qualité française. Donc pendant un moment, il avait été mis un peu de côté. Mais quand même, malin, les mecs de nouvelle vague ont fait appel à lui, parce que quand même, avoir un vrai bon grand chef-op, c'est plutôt pas mal. Et donc, il traite de tout ça, pas forcément du fait qu'il était mis de côté, mais des spécificités de la lumière dans le cadre de différents cinémas, de différentes manières de faire. Et donc, c'est vraiment un vrai truc technique et un véritable essai sur qu'est-ce que la lumière et qu'est-ce que la lumière veut dire dans un cadre créatif, d'un point de vue presque métaphysique et puis philosophique. Donc c'est un livre de 300 pages avec beaucoup d'images, énormément de photos. C'est parfois assez complexe à suivre parce que ça manie des notions de sciences dures justement sur la question de la lumière qu'il va appliquer à l'histoire des arts et à celle du cinéma. Donc ouvrage extrêmement important à l'époque de sa sortie, qui je pense est de bon ton de relire aujourd'hui pour tous ceux qui auraient l'ambition de se lancer dans la quête des images de manière générale, qu'elles soient fixes ou bien en mouvement. Donc Des Lumières et des Ombres de Henri Alekan, édité le mois dernier aux éditions de la Table Ronde, bouquin absolument merveilleux. En plus, il y a plein d'images, hein, donc si vous aimez ça, voir des petits crobards et puis des beaux tableaux, et que vous aimez les choses intelligentes, donc Des Lumières et des Ombres. On va s'arrêter là, on va partir d'un coup dans des endroits où il fait très très chaud. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Anna Gabriel avec Tu la decideste, donc qu'on peut entendre notamment dans le dernier long métrage en date de Werner Herzog, Au coeur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Krafft, qui est dispo depuis quelques semaines sur Arte, et c'est le deuxième film de l'année qui est consacré au couple de vulcanologues Krafft, qui est sorti en salle mais pas Rennes évidemment au mois de septembre, un film de Sora Eudosa, Fire of Love, que malheureusement je n'ai pas vu, mais du coup j'ai bien envie en voyant ce film d'air conique du patron de Werner Herzog, qui donc sort son nouveau documentaire, car finalement quand on regarde la carrière de notre ami Werner, c'est plus un réalisateur de documentaire que film de fiction. Ouais, c'est plus un réalisateur de docu. Ouais. Voilà, parce qu'il a quand même réalisé plus d'une vingtaine maintenant. Mais c'est un grand documentaire. On va en parler donc évidemment. Et donc de quoi parle ce film de notre ami Werner? Eh bien, ce film de notre ami Werner, pardon, comme je le disais, du couple de vulcanologues Krafft, Katia et Maurice, qui sont décédés le 3 juin 1991 au Japon. Et qui ne sont pas allemands, qui sont français, voilà, hein, contrairement à ce que leur nom pourrait laisser. Alsaciens. Qui sont d'origine alsacienne. Alsaciens, ouais. Voilà. Qui donc sont décédés au pied d'un volcan en éruption au Japon, car donc c'était un couple de vulcanologues qui, on peut le dire, ont démocratisé la recherche vulcanologique auprès du grand public, et ils ont notamment beaucoup documenté leurs recherches et leurs expéditions sur des volcans aux quatre coins du monde, et ce sont toutes ces images qu'ils ont filmées qu'on retrouve dans le film de Werner Herzog, qui est composé à 99% des images des Krafft, à part quelques images au présent tournées par Werner Herzog, notamment dans la ville où ils ont vécu en Alsace. Et donc ce film-là, pour Herzog, s'inscrit dans une tradition, en tout cas dans une forme que lui a beaucoup investi dans ses films, et avec des thématiques qui sont récurrentes dans son œuvre, car donc ce sont que des films, donc que des images qui sont filmées par les Krafft, avec un commentaire qui est dit par-dessus et qui est dit et écrit par Werner Herzog. Très beau commentaire que, comme d'habitude, il narre avec sa voix et son timbre absolument merveilleux et fabuleux, et son accent allemand merveilleux. Je veux que ma vie soit racontée par Werner Herzog. Ah ouais, ça serait bien, moi. Ça serait merveilleux. Ça serait un honneur. Et donc, cette forme-là, à la fois la question des volcans qu'il a déjà abordée dans plusieurs films, notamment en 1976, il y avait le film La Soufrière, sur un volcan qui était sur le point d'entrer en éruption. Mais qui n'est pas rentré en éruption. Voilà, en Guadeloupe, et donc sur l'évacuation des habitants et sur ceux qui décident de rester, malgré le fait que le volcan va presque péter. Et en 2016, il a fait un film pour Netflix qui s'appelle Into the Inferno, où là, comme dans La Soufrière, il allait voir les habitants qui habitent à proximité de volcans qui sont actifs et qui, donc potentiellement, d'un moment à l'autre, vont péter. Mais en même temps, à la fois sur cette question donc de la nature qui explose et finalement prend le pas sur l'occupation humaine, se mêlent aussi d'autres visions documentaires qu'il a déjà mis en scène sur cette même question de la nature, qui est beaucoup plus grande et qui est destructrice et qui en même temps recrée de la vie. Dans un de ses premiers documentaires qui s'appelle Fata Morgana en 1971, avec un commentaire qui a été dit par la grande historienne du cinéma Lotte Eisner, qui en fait retraçait finalement l'histoire du monde des origines jusqu'à maintenant par le prisme de la nature sur le continent africain, et avec Lesson of Darkness en 1992, où là Herzog allait filmer les conséquences de la première guerre d'Irak, avec notamment tous les puits de pétrole qui étaient en train d'exploser et qui balançaient des geysers de flammes visibles à des kilomètres, et sur, on va dire, les conséquences de la guerre physique même sur le territoire du Koweït, à la fois les choses qui étaient abandonnées, les populations qui étaient laissées un petit peu à l'abandon après le passage des Américains et la défaite de Saddam Hussein. Et dans ces mêmes visions apocalyptiques presque, il arrive à en faire ressortir toute la beauté des choses, finalement, de ces éléments physiques et naturels incontrôlables de la main de l'homme. Car là, effectivement, quand on voit les images qu'ont filmées les Krafft, où à la fois eux, ils sont complètement tarés parce qu'ils vont littéralement quand même à 5 mètres des coulées de lave pour avoir les plus beaux plans possibles et les plans surtout les plus marquants en termes visuels et en termes scientifiques pour leur recherche future. C'est des plans qui sont à la fois d'une poésie hallucinante et d'un sentiment de danger qui est constamment, à l'image, absolument fabuleux. Docteur. Ouais, alors c'est un film qui est, à la fois est très, comment dire, est très allemand, parce que dans le cinéma allemand, il y a quand même cette tradition du film de montagne, hein, dont Werner Herzog embrasse complètement l'héritage. Avec les films de passe, oui, parce que Herzog, il le dit lui-même, il a même écrit des bouquins dessus. À la fois, c'est un grand voyageur, mais à pied, et qu'il adore escalader les montagnes. Ah, la montagne, ça le gagne. Même que souvent, d'ailleurs, dans ses documentaires, il se met lui-même en scène tel un gros cabotin qu'il est en train de gravir des montagnes, de boire l'eau des sources, car en fait c'est ça qui lui donne sa force naturelle. Alors oui, sachant qu'il faut quand même, relativiser, parce que oui, certes il fait ça, mais le spectateur un peu intelligent comprend que Werner se met en scène. Voilà, qui se met en scène, mais qui laisse aussi la place. Moi, je pense notamment à Gasher Broom, je crois, un film sur des gars qui partent escalader à une montagne, je crois que c'est dans l'Himalaya ou quelque chose comme ça. Gasher Broom, je crois que c'est ça. Hein, je crois que c'est en Himalaya. C'est dans l'Himalaya. Et où ça se passe, voilà, et où on sent qu'il essaye de comprendre qu'est-ce qui pousse ces gens-là. Et en fait, il y a une espèce de communauté d'esprit. Il y a une ambivalence en fait chez Herzog. À la fois c'est la recherche du danger, la recherche de l'aventure. C'est la fascination aussi. C'est la fascination, alors que Herzog lui-même, il a dit quand même dans plusieurs entretiens qu'il n'aime pas voyager, que ça le fait chier l'aventure, il n'aime pas avoir mal, il n'aime pas être fatigué. Non, mais il adore, mais par contre il adore les personnages qui sont fascinés par la nature. Qui sont presque des pulsions de mort en plus du coup chez les personnages. Mais qui sont aussi des pulsions de vie, et ce que d'ailleurs on retrouve métaphoriquement dans le volcan, qui est dangereux mais qui est aussi l'expression de la vie terrestre. C'est paradoxal finalement, et qu'on retrouve dans tout le cinéma de Herzog, y compris ces films de fiction. Oui, exactement, parce qu'évidemment il y aurait des liens à faire avec Aguirre, avec Scaraldo, etc. Mais là c'est vrai que... J'ai tourné avec Kloskinski, c'est avoir des pulsions de mort. Exactement. Hein, et en même temps avoir des pulsions de vie. Oui. Je pense que c'est vraiment les deux en même temps. Et là ce qui est intéressant, alors moi je trouve qu'il y a deux aspects qui m'ont intéressé. D'une part effectivement le fait que il y a cette fascination à la fois pour le paysage et fascination pour les hommes qui regardent le paysage, et une fascination qui était quasiment égale, et avec une fascination du regard et un respect quoi vis-à-vis de ces mecs-là, de ces gens-là, et du côté dingo en fait de ce couple qui documente. Et alors ce qui est intéressant je trouve, et ce qui est assez le point de vue je trouve qui est assez original, c'est de pas les traiter comme des scientifiques mais de les traiter comme des cinéastes. Et ça, je trouvais que c'était le parti pris du film. Très vite. Et donc, pour lui, ce sont des personnages, comme des personnages de fiction. Et il montre, en fait, ce qu'il montre, en fait, il raconte pas leur vie, en fait, il montre comment leur regard devient un regard de cinéaste. Et ça, je trouve super intéressant. Oui, parce qu'on voit, le cadreur, c'était principalement Maurice au début, et donc on voit l'évolution presque de son style de cinéaste. Alors qu'elle prend plutôt des photos, elle a pris je crois 300 000 clichés, donc la dingo. Et donc elle apparaît un peu plus dans les images aussi, mais c'est vrai qu'on voit l'évolution de son regard de cadreur et donc de metteur en scène. Au début on commence par des trucs assez lointains sur les volcans, finalement après, assez classiques de documentaire. À la fin c'est presque comme s'il plongeait littéralement en fait, et puis au bout d'un moment il y a une espèce de dimension humaine sur les survivants, sur les gens qui vivent à côté, et donc évidemment que Werner Herzog se sent une communauté d'esprit avec ces deux scientifiques que je ne sais pas s'il les a connus ou pas. Je crois qu'il les a croisés, d'autant qu'ils sont de la même génération, parce que lui il est né en 42, elle aussi, et Maurice Krafft est né en 46, donc je me suis demandé est-ce que ce sont des amis, mais par exemple moi je trouve qu'il y a des moments assez touchants, notamment le moment où il dit quand je vois ces images j'aurais tellement aimé être avec eux. Et il y a une vraie, je pense, comment dire, c'est presque des affinités électives en fait. Il y a presque quelque chose de... Ils se reconnaissent en eux en fait. C'est-à-dire que... L'amitié par l'image. Ouais, voilà, ils se reconnaissent en eux et quand ils parlent d'eux comme ils parleraient de collègues. Mm. En fait, c'est pas des scientifiques, c'est pas des gens qui seraient lointains par rapport à lui, cinéaste, c'est des gens qui... Voilà, il les comprend parce qu'il comprend la manière dont eux font du cinéma, ce qui est, je trouve, un parti pris super intéressant sur le documentaire. Parce que pour Herzog, ils font le même boulot. Ouais, exactement. Ils vont filmer l'impossible. Ils font le même boulot, ils vont filmer l'impossible, ils essaient de cerner puis de voir une vérité humaine aussi, dans le, à la fois dans presque la... métaphysique, ouais, le fait d'être à côté de choses aussi énormes et c'est vrai que les images sont à la fois extrêmement poétiques, mais complètement fascinantes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, alors chacun va avoir ses préférences. Il y en a, ça va être plutôt les comment dire, alors, comment ils appellent ça, les coulées. Oui, les coulées de lave. Voilà, les espèces de coulées de fumée en fait, de lave et de fumée. Moi, c'est plutôt la lave qui bouillonne, qui moi ça me, avec où ça fait des espèces de l'expérimental. Ouais, voilà, ça fait des espèces de rivières comme ça, de lave avec des espèces de vaguelettes et tout ça. Enfin, c'est quand tu sais que c'est super, enfin que tu tombes dedans, tu meurs, quoi. Enfin, la lave, c'est super chaud. Mais c'est absolument, c'est fascinant comme un tsunami en fait. C'est ça, c'est fascinant comme une catastrophe. Et je trouve qu'il y a effectivement dans ce côté apocalyptique où à la fois une espèce de normalité, c'est-à-dire que bah ouais, c'est comme c'est la manière dont la Terre s'exprime, tout simplement. C'est le mode d'expression de la Terre en tant que qu'entité naturelle, les volcans, les marées, voilà, et en même temps il nous fait sentir cette espèce de petitesse humaine, et en même temps justement il l'oppose pas en fait, les hommes et la nature, parce que justement ces personnages de scientifiques vont se confronter au volcan comme on se confronterait à un ours, quoi. Tu vois, et finalement quelque part il y a un côté Grizzlyman en fait. Bah, j'ai pensé à ça pour plusieurs aspects, parce qu'ils en meurent aussi quelque part. Voilà, il y a l'obsession chez Herzog de capter les tout derniers moments de la vie. Dans les toutes dernières images que quelqu'un filme de l'éruption du volcan au Japon, ils croient déceler sur une image au fond les Krafft qui justement sont en train eux-mêmes de filmer le volcan quelques secondes avant d'être butés. Et dans Grizzlyman, il y avait ça aussi, quand il écoute la bande audio du mec qui est en train de se faire attaquer par le grizzly et en train de se faire bouffer. Donc il y a cette question de... Et c'est pas du voyeurisme, non, en fait. C'est plutôt l'idée que le cinéma... C'est la question de la mémoire en fait, qui rentre en résonance. Et pour moi, ça a à voir avec le fait que c'est l'idée que le cinéma en fait est un des moyens d'accorder l'éternité aux êtres humains. C'est-à-dire qu'on meurt tous, on va tous mourir, mais... moi, j'ai un mot du docteur. Mais oui, voilà. Mais moi, je peux pas, j'ai piscine. Ouais. Et mais à partir du moment où... Et moi, ça, c'est quelque chose auquel je crois très profondément. C'est, pour moi, c'est la part un peu mystique du cinéma. C'est-à-dire qu'à partir, à partir du moment où on a été filmé une fois et que l'image est projetée... On ne mourra pas. On ne mourra jamais. Voilà. D'une manière ou d'une autre, on va rester. Voilà. Et moi, on en parlait ensemble la dernière fois. Moi, je sais plus si c'est avec vous que j'en parlais, mais moi, c'est un truc que je me fais, une réflexion que je me fais avec les animaux au cinéma. C'est-à-dire, quand je vois un chien dans un film des années 30, je me dis, ce chien est mort depuis des dizaines d'années, pourtant ce chien existera toujours à mes yeux. Comme le chien de Mad Max, par exemple. Mais exactement. Et c'est un chien qui restera toujours à mes yeux. Et à chaque fois que je verrai le chien, je ferai, oh, le chien, comme si le chien était vivant. Tu vois, et ça, c'est plus vivant que. Et ce chien qui est mort depuis des années sera toujours plus important pour moi à mes yeux que Cyril Hanouna qui est bien vivant aujourd'hui, par exemple. Comme quoi, la question de la priorité de l'existence, je trouve que le cinéma fait bien sentir à quel point... La hiérarchie, en fait. Ouais, à quel point... Pas forcément l'importance, mais voilà, mais c'est... La persistance de l'image qu'on en aura. Il y a des images il y a des gens, des corps que tu verras toujours et que tu pourras toujours voir, qui seront toujours quelque part à toi, parce qu'ils sont fixés sur pellicule, et tu pourras toujours les voir et les revoir et t'imprégner de corps, de décors, voilà, par le cinéma. Et là, je trouve que de voir ces silhouettes, effectivement, j'ai envie d'y croire que c'est eux. J'ai envie de croire que c'est les scientifiques, que c'est les deux, que c'est le couple, et que par hasard le journaliste japonais en train de s'enfuir a capté en pleine panique en train de filmer les dernières étincelles de vie avant que voilà, le néant recouvre ce couple de gens qui avaient l'air passionnants, qui avaient l'air fascinants, et il y a aussi cette espèce de vision très panthéiste, c'est-à-dire l'idée que on n'est pas important quelque part, mais qu'il y a aussi dans la guirée, c'est-à-dire qu'on n'est pas important, il peut nous arriver n'importe quoi, le croire qu'on est, que ce qu'on fait ou que ce qu'on est est particulièrement puissant, ou que ça a une importance quelconque au niveau de la façon dont la Terre fonctionne, c'est une illusion complète. Alors qu'à l'échelle de l'histoire... Alors qu'à l'échelle de l'histoire et à l'échelle même du monde, à l'échelle de la biologie, on va dire, on est d'une insignifiance incroyable et en même temps d'une importance. C'est ça que moi j'aime bien, c'est justement chez Herzog, il n'y a jamais pas de jugement moral en fait. Il n'y a pas oh, la nature c'est bien et puis l'homme c'est nul. Non, c'est justement... D'autant que le rapport à l'homme... C'est la limite entre les deux. Avec son environnement est toujours... hyper imbriqué. Il en parle dans son documentaire de 99 sur ses rapports avec Kloskinski, Ennemi intime, okay, super sur le tournage de Aguirre. Bah, dès le début déjà ils commençaient à se friter parce qu'ils n'avaient pas la même vision finalement de l'espace et puis du paysage. Pour Kloskinski, le paysage le plus important c'est le visage humain. Et son visage, probablement. Voilà. Précisément. Et ce que disait Herzog, c'est que bon, c'était une grosse andouille et qu'il n'avait rien compris. C'est-à-dire qu'un paysage, quel qu'il soit, selon la manière dont le film aura plus d'impact ou plus de force, ou pourra justement prendre un visage humain. Et c'est ce que fait souvent Herzog dans la manière dont il filme les paysages et dont il filme les décors de manière générale, c'est de redonner toute une importance à des espaces qui sont tout autour de nous et qui pourtant sont rarement investis de présence humaine. Et lui, même ce qui l'intéresserait, c'est pas forcément la trace de la présence humaine dans un paysage, que ce soit une montagne, que ce soit, je sais pas, dans la campagne allemande, machin, mais c'est vraiment le paysage pour lui-même et quelle importance philosophique. Bah, c'est un point de vue pictural, ouais, en fait, voilà, hein, qu'il a, un point de vue de peintre, un point de vue de photographe, en fait, hein, qu'il a sur le paysage. Et dans le film, il y a des très beaux, il y a des très beaux plans. Je pense à ce plan notamment où il y a une... Alors justement, j'aime bien aussi quand il y a justement les deux. Oui. Moi, j'aime, qu'il y avait déjà un peu dans La Soufrière. Moi, j'aime bien, par exemple, il y a un très beau plan avec toute la terre qui est complètement couverte de cendres. Il y a une espèce d'église qui se dresse au milieu, qui est toute blanche comme ça. Et là, c'est vraiment, pour moi, on est vraiment presque dans du tableau, quoi, ou dans de la photo, quoi. Et c'est pas lui qui prend les images, mais c'est lui qui les sélectionne. Et donc ça veut dire que son œil de photographe repère aussi que ça, c'est beau, quoi. D'autant qu'en plus, que j'aime beaucoup dans les documentaires naturelle, dans les documentaires d'Herzog, en plus, qui renforce la beauté du cadre et la beauté des images, je trouve, c'est toujours son usage de la musique. On a entendu un morceau avant l'émission. Le sous-titre, c'est Requiem, hein, pour les époux Krafft, hein, donc il y a en général beaucoup d'usages de musique classique. C'était le cas dans Fata Morgana et dans Lessons of Darkness, dans La Soufrière aussi. Oui, et c'est vrai, là il le fait aussi, et il adjoint quelques morceaux de folk ou de musique traditionnelle entre les deux, et notamment le morceau de Anna Gabriel qu'on a écouté, où là d'un coup, moi j'avais envie que d'une chose, c'est que Herzog il fasse un western, parce que en fait, tu sais quoi, ça m'a fait. Il y a des plans, ils font penser à ça. Me fait penser à du Jodorowsky. Ouais, un peu. Le moment où il monte le faux, enfin le Christ vivant, où ils font une reproduction, voilà, de mélange entre la religion, la nature. Voilà. Il y a plein de choses qui sont dites en fait à travers le montage en fait des images. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas lui qui filme, mais c'est lui qui monte. Et en fait, c'est un film de réemploi, voilà, et il avec plein de choses, et il dit plein de choses sur la manière dont il monte les images les unes avec les autres. Je trouve qu'il dit, il évoque plein de trucs, et souvent voilà des choses très spirituelles. Voilà. Donc attention, hein, je préviens bien, voilà, c'est pas le documentaire sur les volcans sur Discovery Channel avec soudain le volcan explose. C'est pas ça du tout. Hein, c'est vraiment une méditation. C'est pas les films d'Haroun Tazieff, d'ailleurs, en venant. C'est vraiment une méditation. À cette émission, j'ai trouvé dans une boîte à livres Histoire de volcan de Haroun Tazieff. Eh ben ouais, tu vas pouvoir te parce que c'est vrai que les films de Haroun Tazieff à l'époque, ou les images qu'on avait de lui, c'était justement des trucs beaucoup plus didactiques sur comment est-ce que fonctionne un volcan, mais là, qui pour autant sont pas négligeables non plus. Haroun Tazieff, il a fait du gros boulot, hein, quand même, et c'est lui aussi qui a... Moi je me souviens que petit, Haroun Tazieff c'était le mec des volcans, quoi. C'est-à-dire que les trucs que j'ai appris sur les volcans gamins, c'était Haroun Tazieff, quoi. C'était le Jacques Yves Cousteau, des volcans. Exactement. Alors que les autres sont plus effectivement dans quelque chose de plus méditatif, contemplatif, et puis aussi voilà, et ça Herzog le note bien, au bout d'un moment en fait ils se mettent à filmer moins de volcans et plus d'humains, et on sent qu'il y a une empathie en fait humaine, les conséquences finalement des volcans qui sont beaucoup documentées, et il y a une empathie humaine avec quand même des villages où voilà, où notamment il y a l'histoire d'un village en Amérique du Sud, hein, je crois, hein, où les mecs, personne n'a été prévenu, il y avait 29 000 habitants, il y a eu 20 000 morts. 20 000 morts, quoi. Donc Pompéi à côté, c'est pas les touristes. C'est bonjour là. Donc voilà, avec les animaux qui sont coincés dans la boue, qui meurent et qui sont encore vivants, mais qui vont mourir. Qui sont des images terribles. Ah, il y a des images dingues, moi je trouve, de pauvres bêtes. Voilà. Et il a autant d'empathie pour les humains que pour les animaux. Et je trouve. Oui, parce qu'on en parlait en off. Il y a ce côté écolo, en fait. Il y a un côté écolo. Son rapport à la nature et son rapport à l'être animal, justement, qui a quand même évolué aussi. Et moi j'ai trouvé que le film était assez empathique, justement. J'ai trouvé qu'en fait il a quelque part l'empathie des deux scientifiques finit par rebondir sur Herzog, et Herzog se déteint sur lui, et Herzog se permet en fait, je pense, de dire cette empathie qu'à mon avis il a toujours eu, mais qu'il a dû, à mon avis, en partie dissimuler parce que sa persona de réalisateur était une persona justement de mec un peu froid, de mec un peu distant. Mais pour moi, elle a toujours été là. Hein. Oui. Pour moi, il y a toujours beaucoup d'empathie chez Herzog, mais qui est dissimulée derrière une espèce de faux cynisme ou de fausse distance. Voilà. Ou d'ironie plutôt, parce qu'il y a toujours un petit peu cette posture chez Herzog, à la fois quand il se met en scène dans ses propres documentaires ou compagnie, dans la manière aussi dont il va raconter les choses, dans les différents rôles qu'il aura pu faire. Ouais, il a un côté vraiment de... d'humour allemand, côté froid, froid, de froideur, et qui peut passer pour un mec désagréable et qui en fait est hyper drôle. Non, non, alors très touchant, que moi je trouve drôle et qui justement, quand ça laisse la place à des choses justement beaucoup plus empathiques et beaucoup plus sensibles, ça donne beaucoup plus d'importance à cette sensibilité. C'est-à-dire que si c'était un chouineur qui passait son temps à se lamenter, je veux dire, ça n'aurait aucune force. Alors que justement, comme il y a cette espèce de réserve. Germanique, on va dire. Mais il ne faut pas oublier que l'Allemagne, c'est aussi la patrie du romantisme. Donc la réserve va aussi généralement avec une sentimentalité qui peut être très forte, sans que ça soit, du sentimentalisme. Et aussi, de toute façon, depuis les débuts du cinéma, on en parlait tout à l'heure, des films de montagne et de la glorification finalement du paysage donc comme incarnation d'une espèce d'absolu en fait, voilà, qui est aussi, en tout cas, aussi à voir avec la philosophie allemande, avec l'idéalisme, avec la religion, avec le fait d'atteindre le sommet, atteindre les nuages et presque toucher Dieu si possible. Ouais, c'est, voilà. Et c'est intéressant comment Herzog, qui est pour moi le dernier grand cinéaste allemand, puisque Wenders fait quasiment plus rien. Wenders fait plus rien, Fassbinder est mort il y a 40 ans. Fassbinder est mort il y a 40 ans, il reste quelques petits jeunes qui font des trucs pas trop dégueux, mais pour moi le dernier grand cinéaste allemand en activité, européen même, c'est Herzog. Hein, dernier grand metteur en scène. Et qui est effectivement l'héritage, enfin qui est l'héritier de cette vision très Mitteleuropa de la culture, c'est-à-dire où le cinéma, c'est le cinéma plus la peinture, plus la philosophie, plus la religion, plus plein de trucs en même temps. C'est pas que le cinéma, c'est le cinéma comme mode d'expression pour plein d'autres choses. Et en plus, à la fois, ce côté encyclopédique, dans son côté documentaire, il a à la fois une vision très poétique des choses, il a un côté anthropologique aussi, qui mêle différentes approches du documentaire. Sans jamais que ça soit chiant. Voilà, et ça sert jamais vraiment un bloc parce que plein de documentaires ont des formes très très variées. Les films qu'il fait sur les couloirs de la mort, par exemple, ça va être beaucoup plus sobre, beaucoup plus froid, presque mécanique, comme un reflet finalement du fonctionnement de l'industrie pénitentiaire américaine. Alors que quand il fait aussi parfois des vrais pas de côté avec des choses qui sont beaucoup plus dans un genre de romantisme de la narration et des images. Et là, ça va, moi je trouve avec les volcans, il y a une vraie ampleur. Quoi. Il y a une espèce de souffle, effectivement, sans mauvais jeu de mots, mais il y a une espèce de souffle visuel qui se ressent dans son commentaire. On sent que ça l'inspire, quoi. On sent que ça inspire son commentaire et que ça le touche parce que le film est réellement touchant. Ouais, le film est le film est beau, il est dans les images, sensible, dans le parcours des Krafft. Et puis dans son commentaire. Moi j'ai trouvé ça, je me suis dit, voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Moi je veux dire 80 minutes de 80 minutes et puis 80 minutes d'images d'une puissance, voilà, d'une puissance assez dingue avec cet usage de la musique là aussi qui donne du souffle. Enfin voilà, il y a quelque chose presque de wagnérien quoi là-dedans quoi, mais quelque chose d'allemand. Voilà, c'est très allemand tout cela. Mais comme allemand, dans le bon, dans le bon sens, dans le très bon sens du terme. Voilà, dans le très bon sens du terme. Il y en a des biens. Comme quoi, il y en a des biens. Non, moi j'aime beaucoup justement cette vision romantico-rationnelle. Voilà, j'aime beaucoup ce mélange des genres, justement ce mélange des attitudes qui peuvent sembler contradictoires mais qui en fait fonctionnent très bien chez Herzog à mon avis et qui donnent du prix à son cinéma quoi, et qui en font à mon avis un des derniers grands ce patron, Der König, exactement, un des derniers grands cinéastes européens encore en vie. Donc voilà, vous l'aurez compris, nous vous le recommandons chaudement. Exactement. Donc c'est au cœur des volcans. Une recommandation brûlante. Exactement. Actualité chaude, donc au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Krafft de Werner Herzog, encore disponible sur arte.tv. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Docteur, alors, qu'avez-vous aimé? Alors, ça sera un peu comme la dernière fois, hein, une petite chose recommandée par je les appelle les collègues maintenant, parce que c'est comme si je les connaissais. Les collègues de Red Letter Media, donc à Milwaukee, aux États-Unis, qui ont souvent qui tombent souvent juste, pas toujours. Je partage pas toujours leurs obsessions, mais ils sont drôles. Ils sont drôles et souvent leurs conseils tombent juste. Donc, sans honte, je recommanderais un film qu'ils m'ont conseillé et que je conseille à mon tour, qui s'appelle The Kid Detective, voilà, qui est un film réalisé par un certain Ivan Morgan, il me semble que c'est un film de 2020. Ouais, il me semble que c'est un premier film et qui est une comédie policière avec un type qui, quand il était enfant, résolvait les crimes dans son petit bled et que tout le monde trouvait cool, et puis qui se retrouve à 30 ans et qui a perdu le... Genre de pauvre type, quoi. Voilà, qui a perdu le mojo et qui va se retrouver, évidemment, bien sûr, sur une affaire, une sombre affaire de meurtre, dans laquelle il va se démerder de manière extrêmement aléatoire. Sauf que, justement, c'est un film qui est à la fois très drôle et en même temps, c'est un film qui est... infiniment triste. Et moi je trouve que d'arriver à mélanger des moments où tu rigoles franchement dans le film, avec un côté un peu The Big Lebowski, et des moments où c'est pas marrant du tout, et notamment la dernière partie du film te fait un petit peu switcher en termes de voilà, et de jouer un petit peu justement avec tes attentes de spectateurs. Et bah écoute, c'est une petite chose, mais petite chose tout à fait bien foutue. Et comme The Last of Night, je recommande chaudement si vous voulez voir une petite proposition de cinéma qui est pas dégueu. Bah, je conseille The Kid Detective, et c'est pas du tout un film pour enfants, je précise bien. Très bien, merci. Alors moi aussi dans la catégorie film pas pour les enfants, ça sera de Dennis Hopper, c'est Colors, donc en 1988. Super putain de film. Putain de BO. Putain de BO. Ah. Que j'ai en vinyle chez moi. Ah, du boom bap, avec du Ice-T de 85. Ouais. Avec du hip-hop de Los Angeles. Donc un film de la tradition policière de flic avec Sean Penn et Robert Duvall. Qui a un filtre, pas qui a un filtre, mais qui zone dans les quartiers de South LA au milieu plein de graffitis, la mafia latino, les Crips, les Bloods, les Chicanos, histoire évidemment tragique mais polar absolument merveilleux. Ah bah, David Ayer va te coucher, hein. Ah ouais, une manière de filmer Los Angeles. De toute façon, dès qu'il y a des Chicanos avec des bandanas, moi c'est gagné. C'est gagné, c'est ton truc, c'est ton truc. Non non, c'est un super film Color, c'est un des meilleurs de Dennis Hopper, surtout c'est le Dennis Hopper un peu de la résurrection. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le moment où il a arrêté la cam et où tout d'un coup il commence vraiment à s'intéresser à la photo notamment et aux photos de graphes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un grand photographe de graffiti et de tags. Il y avait un super documentaire sur Arte, je me souviens, qui s'appelle je sais plus comment, mais qui était super bien, où on suivait Dennis Hopper là-dedans. Bon, c'était un vieux facho, mais par contre, artistiquement... Vieux réac. Vieux réac, mais artistiquement, par contre, je trouve un réalisateur encore, à mon avis, un peu sous-estimé. Ouais. Et qui mériterait vraiment d'être découvert. On en reparlera prochainement de Hopper avec la sortie prochaine chez Carlotta du long documentaire sur la post-production de The Last Movie. De ce chaos ultime qui est The Last Movie. Hein. Oui, et la post-production était pire. Hein, donc voilà, on en reparlera de Hopper. Merci à Valentin à la réalisation de cette émission. Merci Docteur. Il n'y a pas de quoi. Donc la semaine prochaine, diffusion de la deuxième partie de l'entretien avec FJO100. On se retrouve en direct dans 2 semaines. Prochaine émission. Prochaine édition. Mathieu, bonsoir. Salut.